Bonjour, bienvenue sur Oliver D TV pour cette session de live. Voilà, on a passé une semaine sur VMix. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la session de Vincent, qui est opérateur VMix. Il a passé la semaine à apprendre à utiliser le VMix. On va aller le retrouver tout de suite en régie. Alors, Vincent. Vincent, je suis avec toi, Vincent. Donc Vincent, tout va bien Vincent, ne t'inquiète pas. Donc là, je suis avec toi en régie. Donc, qu'as-tu pensé de cette formation par rapport au contenu abordé? Eh ben, c'est très dense, mais très sympathique, un logiciel très complet qui mérite encore à pratiquer, okay, parce ouais. Qu'il y a beaucoup d'effets à faire, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Mais cette semaine a été très instructive. Très bien, très bien. Et le matériel fourni par Oliver D, c'était suffisant? C'était tout ce qu'il fallait. Okay. Ça nous a de trop, ça aurait été trop. Donc je trouve qu'on avait tout à fait le matériel qu'il fallait pour concentrer. Ok, très bien. Et tu te sens prêt à utiliser VMix? Ouais. Écoute, nous allons démarrer tout doucement, mais au fur et à mesure, oui, on va s'y mettre. Ok, oui, très bien. Ça, allez, c'est sûr. Bon, mais je te laisse aux manettes. Je retourne devant mon fond vert. Ok. Alors, un fond vert, bien sûr. Un fond vert, c'est sympa, mais l'avantage de VMix, c'est qu'on peut incruster. Donc, Vincent, j'ai demandé. Allez, à 3, 2, 1. Allez, décor. Voilà, et ben on se retrouve dans la cafette d'Oliver D, l'endroit où tout se passe. C'est le cœur d'Oliver D, cette cafette. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, moi, j'ai des slides à vous proposer. Évidemment, des petits slides. Donc, qu'est-ce que j'ai en slide? Un bref résumé. Un bref résumé. Là, ma zapette, elle marche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a abordé cette semaine? Les entrées du VMix, donc il y a évidemment les caméras SD, les caméras HD, 4K, en NDI, en SDI. On a vu aussi les captures, donc avec les cartes d'acquisition, que ce soit HDMI, les cartes SDI, les cartes son, on a vu les cartes DANT aussi pour le son, pour ceux qui connaissent un peu. Les contenus, donc les contenus évidemment, soit une webcam, ça peut être des PPT, bah, les caméras bien sûr, on vient d'en parler. Ça peut être aussi les médias, les vidéos, les synthés, tout ce qu'il faut pour faire une bonne production. En parlant de production, justement, on va en créer une. On est en train d'en vous en montrer une création de Vincent. Donc voilà, et ben, pour faire une bonne production, il faut savoir gérer les médias. On en a parlé tout à l'heure. Les transitions, utiliser les superpositions, les playlists, les multiviews, comme il y a là, un petit multiview, on voit en incruste sur les slides. Voilà, c'est un exemple. Les minuteries, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais voilà, on peut rajouter un petit compteur. On a parlé de quoi? Des contrôleurs, donc les Stream Deck, pour beaucoup connaissent dans le métier le fameux Stream Deck, évidemment pour piloter VMix. On peut mettre des petits claviers son, des Korg pour piloter l'interface son, des manettes de jeu pour les accros, pour les gamers, vous pouvez piloter VMix avec vos manettes. Sinon, on voit là aussi en haut une petite manette pour les caméras. Évidemment, en parlant des caméras ou autres, le protocole NDI. Donc, ce fameux protocole mis au point par NewTek permet de piloter. Je suis allé un petit peu rapide, c'est ma faute. Donc là, le NDI toujours, eh ben, les caméras, comme je venais de dire, mais s'il n'y a plus de place, par exemple en SDI ou en HDMI sur votre PC, vous pourrez raccorder en NDI des ordi, PPT, Playback Pro ou autre, et diffuser dans une autre salle en envoyant le signal en NDI. Voilà, le N-1 pour le son, évidemment pour les connaisseurs, quand on envoie du son quelque part ou qu'on en récupère, si je renvoie le son à la personne qui m'en envoie, évidemment, on fait un bouclage. Donc, il faut gérer le fameux N-1. Un petit schéma ici pour les connaisseurs, un petit aperçu rapide. Pour les autres, eh ben, vous irez voir le dictionnaire ou vous viendrez à la formation pour tout savoir. Les décors virtuels comme aujourd'hui, un fameux fond vert. Évidemment, on ne le voit plus, je me suis fait incruster, mais on l'a vu tout à l'heure.
Donc on voit là en image le fond vert d'Oliver D, plus un petit aperçu de différentes incrustes de studio virtuel. Et là, les VMix Call, on aura un petit exemple de VMix Call tout à l'heure. En parlant des VMix Call, on a vu aussi les Zooms et les Teams. Je crois qu'on a presque tout vu. Évidemment, il ne faut pas oublier le stream. Donc on peut streamer sur plein de plateformes, YouTube, Switch, Facebook Live, je vais y arriver. Plus évidemment les plateformes privées pour les entreprises. Il suffit de récupérer le lien, l'URL et on y arrive. Le record, le stream et à la fin, bien sûr, le diplôme. Voilà, j'en ai fini pour les slides. Donc maintenant, eh ben, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo. Une interview exclusive d'Olivier Dufresne, le patron d'Oliver D. Je vous retrouve après. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis gérant du centre de formation Oliver D. Cette semaine, nous avons une formation VMix et tous nos participants se sont mobilisés pour mettre en action leurs compétences acquises durant cette formation. Alors, nous sommes actuellement dans un live et je vous laisse découvrir leur travail. Et voilà, merci Olivier, je suis de retour parmi vous sur ce studio Oliver D, en direct du voisin Le Bretonneux. Donc maintenant, on a vu les PPT, on a vu les vidéos, bien sûr, qu'est-ce qui nous manque? Un petit direct avec un VMix Call. Donc je crois qu'on va rejoindre un autre élève qui est en direct du Casino de Paris, je crois. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me trompe? C'est ça? Pas du tout, je te confirme, en direct du Casino de Paris. C'est ça, en direct du Casino de Paris. Alors, et toi, donc, qui es-tu derrière ce masque Je suis l'invité mystère qui a l'honneur de faire le VMix Call pour cette session de présentation et qui s'appelle Olivier Leforati. Parfait, donc toi, tu as participé à cette formation et pareil, bon, on verra dans ta session un petit peu plus tard, mais sinon, au niveau de tes collègues, vous êtes bien entraînés, tout s'est bien passé. Ah oui, tout à fait. Très bonne ambiance au niveau de toute l'équipe. On s'est vraiment bien entendu, une entraide collective et une acquisition commune de toutes ces compétences. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir. Bah écoute, merci Olivier. On verra ça encore avec d'autres calls un petit peu plus tard. Je crois que la session de Vincent est finie. Je vais le libérer. Je crois que ça, il va pouvoir respirer. Le direct est fini. Moi, je vous retrouve bientôt dans un autre direct avec un autre élève. Allez, à vous les studios. Générique.